Salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. Alors vous nous l'avez énormément demandé, hein. 24 heures dans la voiture. Alors là vous le voyez, on n'est pas dans la chambre de Lily Rose, quoique on est dans la chambre pour cette nuit. Ouais. Chambre pour chambre cette nuit. Chambre d'hôte. Chambre d'hôte pour Lily Rose. Alors je vais vous montrer un petit peu l'installation. On va tout préparer. Alors on est avec Peppa Pink d'ailleurs qui est juste là parce qu'il nous a aidé un petit peu à installer. Alors, ce n'est pas fini. Ouais. Je vais ramener plein de surprises à Lily Rose parce que j'ai acheté des bonbons XXL. J'ai acheté des... Ah bah non, ouais. Tu peux pas avec tes bagues. Si, je peux. Ah ouais ? Montre ouais. tes bagues. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a fait une vidéo sur ça. Ouais. Donc, je vais préparer plein de surprises. Il y a même peut-être le nouvel iPhone. Bon voilà. Non, j'en ai trop dit. Bon, j'en ai trop dit. On va trop vous dit. Montrer un peu du Alors, coup. Voilà. On a une télé. Ouais, pour l'instant, je lui ai mis, la base avec la télé. Que là, les amis, on va aller ensemble préparer les surprises pour Lily Rose. Parce que moi j'en ai marre. J'ai plus l'âge. J'ai 21 ans maintenant. Et même lui, il a 72 ans. Donc, il a 55 ans. Nous, on a plus l'âge de dormir dans une voiture. Ouais. Et par contre. Non, mais vous allez pas me laisser tout seul. Non, non. Mais non. Si, tu vas rester toute seule. Bon, les amis, regardez. Tac tac, j'ai une petite mallette. Alors là, franchement, tout le 24 heures va dépendre de ça. Parce que dedans, j'ai calé les meilleures surprises pour Lily Rose. Parce qu'elle savait pas qu'elle allait dormir toute seule dans la voiture. Et je pense qu'elle va avoir un peu peur. Du coup, pour la récompenser, je lui ai fait des méga cadeaux. Alors, dans cette valise, je vais vous expliquer avant Lily Rose ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, là c'est bon les amis, j'attends qu'Esteban me prépare les surprises. Bon, j'espère que ce sera des trucs bien et pas des pranks. Parce que là, pour l'instant, on a rien à part... un pop-it et une télé qui fonctionne pas encore. Du coup voilà, j'attends, je m'ennuie un peu, donc j'espère qu'il va me ramener des trucs bien. Donc il y a évidemment le nouvel iPhone 15, je pense que vous l'avez compris en regardant le début de la vidéo. Et il y a des bonbons XXL, sauf que j'ai laissé des pièges. Il y a un bonbon qui est ultra piquant. Voilà, dedans, il y a un bonbon qui est très bon et il y a un bonbon qui a le goût, alors de... C'était écrit chaussette, enfin c'était écrit en anglais, donc je sais pas si c'est vraiment ça. C'était écrit chaussette. Bon, c'est bon, voilà, toute la mallette est prête et j'ai demandé à Peppa Pink de rapporter la suite des objets pour le 24 heures. C'est parti, on va voir sa réaction. Évidemment, elle pourra pas ouvrir la mallette tout de suite, elle va faire tout au long du 24 heures. Sinon, si elle a un iPhone direct, voilà, c'est trop simple, elle va faire que jouer avec. Lily Rose. Mais je rêve où elle s'est endormie là. Lily Rose, tu t'es endormie? Ouais. T'es sérieux? Non mais on est en pleine vidéo. Du coup je t'ai laissé une caméra, t'as pas parlé. Si, une fois. Une fois. Bon ok, alors je te laisse, j'ai déjà expliqué aux abonnés ce que... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ah. Pour l'instant tu peux pas ouvrir. Ah. Ok. Ok. Donc je te dirai top, quand tu pourras l'ouvrir je t'appellerai sur ton téléphone et tu montreras ta réaction aux abonnés, ok? Bon bah là ça y est, il repart encore une fois. Je sais pas ce qu'il va faire. En plus il m'a laissé tout seul avec ma mallette. Bon je vais pas l'ouvrir parce que quand même j'attends. Parce qu'il m'a dit d'attendre, donc voilà. Mais ouais, en plus là je commence à avoir un peu peur. Parce que toutes les 30 secondes la lumière elle s'éteint. Parce que c'est une lumière où genre elle s'allume quand il y a du mouvement. Et vu qu'il n'y a pas de mouvement bah elle s'éteint tout le temps. Et après je suis dans le noir, j'ai juste les LED violettes là. Donc là j'ai vraiment peur. C'est bon, j'ai retrouvé Peppa Pink qui est juste là. Et là je suis assez content, je suis assez excité parce que on va faire une surprise à Lily Rose. Donc là je l'ai laissée dans la voiture. Elle est toute seule là, pour l'instant. Pour l'instant elle est toute seule, elle a rien, elle croit qu'elle va passer la nuit toute seule dans la voiture. Je crois qu'elle commence à avoir un peu peur. Tu m'en as pas beaucoup parlé de cette situation. Elle commence à avoir un peu peur parce qu'en plus sa lumière arrête pas de s'éteindre. Donc j'imagine qu'elle vous en a parlé. Je l'ai laissée avec la mallette surprise, sauf que voilà, elle ne sait pas quelque chose. C'est que là on va aller chercher sa cousine. Ah, il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? Ok, ouais, je vais enlever ça. Hop là. On va y aller à pied, donc c'est environ à 500 mètres d'ici, donc on va la laisser environ 30 minutes toute seule, Lily Rose. Donc j'espère qu'elle va pas nous appeler pendant ce temps-là, sinon elle va griller quand on lui prépare quelque chose. Donc on va chercher sa cousine, qui nous attend sur un parking. Elle a fait exprès de pas faire de bruit, parce que sinon on l'aurait vu rentrer, etc. Ça aurait gâché toute la surprise. Allez,
Allons-y. Donc c'est parti, on va chercher la cousine de Lily et elle va passer tout le 24 heures avec. Et je pense que cette cousine, vous l'avez jamais vue. Vous l'avez jamais vue dans un scénario, vous l'avez jamais vue sur la chaîne. Donc ça sera aussi une surprise pour vous. Je sais pas pourquoi je chuchote alors qu'il y aurait dans le garage, mais la cousine est prête. Elle est avec Peppa Pink. Ils sont en train d'arriver. Une fois que la surprise sera arrivée. Donc là déjà je pense qu'elle va se douter de quelque chose, mais je pense qu'elle va être super contente parce que c'est une cousine qui vient de super super loin. Elle a fait plus de 1000 km, alors pas que pour la vidéo, vous inquiétez pas, elle va rester quelques jours chez nous, mais Lily Rose va être super contente. C'est parti, on va lui faire la surprise. Lily, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Lily Rose? Eh oh! Non mais même la voiture! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre, le garage il est... Le garage il est un peu ouvert en bas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais là elle vient de disparaître avec la voiture. Mais pourtant il y avait même pas les clés et tout. Et puis elle sait pas conduire, elle aurait pas pu partir comme ça. Il y a dû se passer quelque chose. Peppa Pink! Peppa Pink! Quoi? La voiture est plus là, la voiture est plus là. Comment ça, la voiture elle est plus là, c'est pas possible, Stella? Non, non, et Lily Rose non plus. Lily Rose non plus. Hein? Regarde. Oh non, mais c'est. Comment ça se fait, Stella? Bah, je sais pas, moi. Elle est passée où? Pareil. T'as entendu du bruit? Moi j'ai rien entendu du tout. Je t'ai laissé avec la cousine, et voilà, quand je suis rentré. Bah non, elle devait faire 124 heures, comment ça se fait? Non, mais c'est même pas une. Non, mais on s'en fiche du 24. Bah oui, non, mais on s'en fiche, je sais. Lily Rose qui a disparu avec la voiture. Normalement. Elle est partie avec? Mais oui, elle, non, elle est conduire. Partie avec, non, elle sait pas, attends, conduire. Elle sait pas conduire. Elle avait pas les clés. Attends, mais... Bon, là les amis, franchement, c'est vraiment mystérieux ce qui se passe. En plus, il y a pas de caméra de surveillance dans le garage, donc on n'a même pas pu voir ce qui s'est passé. Et regarde, quand on est revenu, le garage est un peu ouvert. Là en dessous, ah, je peux passer mon pied. Il y a quelqu'un qui est rentré et puis qui a pris la voiture. Bah, j'en sais rien. Peut-être quelqu'un qui a volé la voiture, et qui n'a pas vu qu'il y avait Lily Rose derrière, je sais pas. Mon avis, Lily Rose, elle dormait. Il y a bon, là, Lily, les amis, on sait pas ce qui va se passer. On va continuer à enquêter. Je sais pas si on va faire une deuxième vidéo sur ça. Mais en attendant, restez connectés parce qu'à mon avis, on va. Enfin, abonnez-vous, etc. Parce qu'à mon avis, on va devoir enquêter sur ce qui s'est passé. Dépêche-toi, Esteban, dépêche-toi, on n'a pas de temps à perdre. En plus, il y a la cousine qui nous attend, on va falloir tout lui expliquer. A très vite, les amis.